Mon appart, c'est un taudis. Déjà parce que j'ai laissé mon appart à une de mes meilleures potes pendant que j'étais en Thaïlande pendant 10 jours. Déjà que j'ai un ex qui a laissé une trace de son passage, je l'ai renommé fragilité masculine. Il a tout dégueulassé. J'ai jamais vu mon appart dans un tel état. Elle a consommé toutes mes courses, les capsules de café, y a plus rien. En plus, elle me dit non, mais on peut pas habiter ensemble. Tu comprends, je veux pas de tes énergies négatives sur moi. Mes énergies négatives. J'ai hébergé un autre pote chez moi, a cassé l'abattoir de la cuvette des toilettes. Et on se dit, bah pas de problème, ça coûte 30 euros une cuvette des toilettes, tu vas chez Castorama. Le problème, c'est que ces toilettes, elles sont si petites, elles datent des années 1930. Et que des abattoirs de cette taille, tu n'en trouves plus, sauf sur commande, à 126 euros. Et qu'il fallait aussi payer l'intervenant pour qu'il puisse venir et les installer, parce que tu peux pas les faire tout seul. J'accumule des trucs, Théma, on dirait que j'ai le syndrome des personnes qui accumulent les choses. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de livres? Je sais même pas lire. J'ai 4 cases de moto alors qu'on est tout seul. Mon appart a des problèmes chelous du style ma porte est en train de s'effriter. Tu vois le mur qui est derrière?